Un mois, un mois de sursis, c'est donc ce qu'a obtenu hier le Servet FC de la part de la justice genevoise, le club qui a déposé son bilan au début du mois, on le rappelle, a désormais jusqu'au 19 avril précis pour présenter un plan d'assainissement plus complet. Un délai supplémentaire qui doit beaucoup au travail de son nouveau président, Hugues Keneck, Kennec, qui nous fait le plaisir ce matin d'être notre invité en direct de Genève. Bonjour! Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h pour parler de servette, pour parler du foot, du hockey, puis aussi pour commenter quelques sujets tirés de la presse romande et alémanique tout à l'heure. Hugues ben donc c'est une bonne nouvelle qu'on a appris hier, cet ajournement de, de faillite accordé par la justice genevoise. Bon, puis là, on se dit qu'à partir de là, jusqu'au 19 avril, c'est un peu une course contre la montre qui commence pour vous. Sur site 30 jours, vous allez vous y prendre comment pour sauver le club ou en tout cas essayer de le sauver définitivement voilà, la première étape, c'est de, de, de déterminer exactement le montant du, du trou qu'il faudra boucher pour euh, finir la saison. Et euh, donc là, les, les comptables sont en train de, de finir leur travail. On espère dans la semaine à 10 jours qui suivent qu'on va pouvoir euh, déterminer exactement le montant. Puis après, euh, parallèlement, on est en train de lever des fonds. Il y a des initiatives de soutien comme le Serveton et diverses personnes qui, qui viennent faire des contributions importantes pour euh, justement euh, commencer à, à boucher ce trou. On parle d'une somme de 5 à 6 millions pour. Régler les créanciers euh, Voilà, je pense que c'est une question de régler les créanciers et pouvoir financer la fin de la saison jusqu'au 30 juin. Donc je pense que là, on a fait une gamme de 5 à 10 millions qu'il faudra lever. Euh, sur quel partenaire financier pouvez-vous compter, Hugues Kennec euh, Des entreprises, des mécènes vont investir dans, dans le Servette Vous avez déjà des pistes dans ce domaine voilà, c'est très varié. Il y, a, il, y a, il y a tout le monde. Le, le, les supporters se mobilisent des 100 francs avec notre initiative le, le Mur du Serveton. Les gens achètent des briques à, à, des 100, à 100 francs, des abonnements aussi à 100 francs pour le, les derniers matchs de la saison. Et après, on a, on a des PME qui mettent 5 à 10 000 francs. On a, on a des, des personnes comme M. Fleury de, de GHI qui nous a, a promis 500 000 francs. Donc, il y a vraiment tous les montants et tout le monde co contribue. Un petit, ça reflète un petit peu la base de soutien du Servette Football Club qui est de, de, de tous les stratosphères, si on veut. Oui, parce qu'on se souvient de, des propos de M. Pichard, l'ancien président, qui, qui s'est plaint, y compris sur nos, nos ondes, du manque d'investissement du tissu économique Genevois. Là, visiblement, ce tissu économique Genevois bah, semble vous rejoindre. Hein, vous, vous le confirmez voilà, effectivement, on a, on a un soutien. Je pense qu'aussi, euh, le club était à quelques heures de la mort. Des fois, ça, ça sollicite aussi des réactions assez fortes. Donc, euh, je suis très content. Je pense que Servette est, est quand même un grand club avec euh, beaucoup de titres et euh, elle fait partie de la fabrique de Genève. Et je pense que personne ne veut la voir mourir. Donc, euh, c'est magnifique de voir cette réaction. Des banques Est-ce que des banques s'impliquent voilà, il y a des banquiers de la place. En fait, c'est eux qui m'ont lancé le défi. ceux qui m'ont trouvé les 650 000 francs qui étaient nécessaires pour gagner ces 30 jours. Donc, euh, c'est vraiment magnifique de voir la, la place financière genevoise réagir aussi et, et s'impliquer dans, dans le, le sport à Genève. Est-ce que vous attendez, Eugene, de la part des collectivités publiques euh, qu'elles investissent de l'argent je pense qu'aujourd'hui la, la collectivité ils ont, ils ont deux rôles à jouer euh, dans le sport euh, à mon avis une c'est les infrastructures donc avec le foot on a, on a un stade donc qui, qui est moderne et hockey sur glace on parle de nouvelles patinoires donc ils vont s'investir euh, dans ce projet là le deuxième élément c'est la relève donc avec l'association Genève Futur Hockey euh, la ville et le canton euh, s'engagent à, à, à financer euh, une, une partie de, de ce, ce que coûte euh, de former, former les jeunes, encourager les jeunes de faire du Sport et avec le foot, on a un projet similaire. Donc, je pense que c'est là où le, les collectivités doivent intervenir. Au niveau des clubs professionnels, les SA, ils n'ont ils ont pas un rôle direct de financement, mais plutôt que de, de, de soutenir et promouvoir à, à le club aussi, montrer que ça a une contribution importante pour la, la vie de la communauté et encourager à les supporters et les partenaires de, de s'impliquer dans le club. Donc, vous nous confirmez ce cap, hein, continuer d'investir dans un centre de formation pour les jeunes. Hugues Kénec, est-ce que vous allez garder. L'exploitation du stade comme M. Pichard l'avait obtenu à l'époque Aujourd'hui, on est en train d'évaluer les comptes, donc euh, on a, je suis en train de voir exactement combien ça coûte, euh, de, de ces coûts d'exploitation. Mais je pense que c'est clairement un grand intérêt du, du club de, de, de l'exploiter euh, pour le Saved Football Club, pour faire venir des, des grands matchs euh, internationaux au niveau club et euh, euh, national, équipe nationale. Et aussi les concerts. Donc, euh, c'est clair que, idéalement, ce serait, ce serait magnifique de l'exploiter, le dynamiser, assurer que ce stade vit au maximum possible, euh, le, le maximum nombre de jours par année, parce que c'est important pour un, pour une ancienne sportive de, de vivre tous les jours et pas juste euh, quelques quelques soirées ou quelques jours par année. Ukenek, euh, vous n'avez pas mis à titre personnel un, un franc dans, dans le club, donc vous, vous voulez pas vous poser en président mécène pour pour quelle raison? mais voilà j'étais euh, je pense que j'ai fait mes preuves avec le jeunesse savate hockey club et, et en fait le euh, j'amène aujourd'hui plutôt qu'une contribution euh, financière j'amène euh, une expérience une certaine confiance que j'ai gagnée de la communauté donc le, le défi pour moi c'est c'est pas pour UConnect de, de mettre de l'argent mais c'est justement si on veut pérenniser euh, le jeunesse savate hockey club et le savate football club il faut que la base de soutien soit très 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 diversifiée et très vaste et euh, je pense que c'est important euh, si le club va survivre survivre à long terme que, que le soutien justement vienne de de, de la communauté genevoise euh, en forme d'abonnement de, euh, de, et de partenariat. Aujourd'hui, il y a du mécénat pour boucher le trou, mais à, à long terme, je pense que c'est important qu'un club survive sur, euh, sur ces recettes qui proviennent essentiellement de, de la billetterie et des, et des, et des partenariats. J'ai lu dans la presse qu'on qu vous qualifie d'anti-Constantin, bon, pour le tempérament aussi, euh, mais alors c'est aussi l'anti-Constantin pour le fait de ne pas vous impliquer précisément euh, financièrement dans, dans le club. C'est vraiment une méthode totalement différente. Vous pensez quoi d'un Constantin, justement bah, bah, C'est le le club vit à travers lui, c'est donné aussi. C'est vraiment l'opposé. Hein euh, je ne connais pas Monsieur Constantin. Je serrais la main une ou deux fois, mais euh, je pense que. Avant tout, je pense qu'on est tous des franchises dans une, dans une ligue, on doit tous se soutenir. Je pense que Monsieur Constantin a une personnalité forte et je pense que c'est bien parce que ça attire justement beaucoup d'intérêt des médias et des supporters. Mais après tout, je pense que avant tout, je pense que ce qui est important, c'est que les clubs se soutiennent. Parfois, il y a des clubs qui ont des difficultés, donc je pense qu'on doit être solidaires. En Suisse romande en particulier, on doit, on doit vraiment se soutenir et s'encourager et essayer de trouver des solutions que ce soit dans le kick sur glace ou le, ou le foot. Maintenant, ma philosophie de, de gestion est, 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 très claire. Je pense que il est important d'avoir des professionnels à la tête de, de la gestion sportive et la gestion administrative et, et je pense que c'est important qu'ils qu qu gèrent eux-mêmes euh, leur, leur secteur. Et moi, je suis plutôt le capitaine qui, qui contrôle et qui, euh, qui les soutient, qui participe avec eux au niveau. Mais vous n'allez pas me voir dans le vestiaire avant un match ou euh, pendant un match ou sur le banc. Ce n'est pas mon style de, ouais. de gestion.